Cher Père Noël, je t'écris parce que j'ai une faveur à te demander, une seule. Pas de petits ateliers, de coaching, pas de coups de foudre, ni de grandes maisons. Voici, je voudrais devenir unique, j'ai un grand bien singulier, je vis toujours avec ma soeur siamoise, collée joue contre joue. À vous, c'est très spécial. Je l'aime beaucoup, mais j'aimerais surtout ne plus être suivie par tout. Avoir du temps exclusivement, pour moi, retrouver un visage unique. Être libre, ce n'est pas courant comme souhait, mais tu peux faire une petite réflexion. Vie à vie de toi, j'ai l'impression d'être capricieuse. C'est vrai, ma sœur et moi formons une belle équipe. Mais tu verras notre visage s'illuminer. Maman nous a parlé de docteur, mais je préférais que toi, tu opères. Le bouquet sera vraiment plus mauvais de cette réalité, cette année. Voilà, je t'embrasse. Sonia et sa sœur siamoise. PS, désolée pour les fautes de ma sœur, elle a uniquement pensé à notre cadeau. Sonia, sœur siamoise de Sonia. Je suis Jean Pressé, protégé, trahi, exilé par le roi Louis XIV. Je n'ai vis-à-vis de lui aucun regret. Malgré la pression d'ennemis français et espagnols, pour préserver ma famille, j'aurais tout fait. J'ai reçu une lettre de cachet, mon destin était scellé. Mon navire paraissait pourtant avoir beaucoup de cachets. Le naufrage m'a à nouveau condamné. Unique survivant, rien pour me supprimer, pas le moindre comprimé. Sur cette île inconnue, il me reste à courir le cachet, moi, le comédien pour singe et perroquet. Adieu, je m'en remets. Jean Pressé. Ma bien-aimée Kelly, mon rayon de soleil. Au début, nous étions seulement dans la même classe et tellement différents. Toi, souriante et amie avec tous, moi, seule et ne parlant jamais. Jusqu'au jour où Madame Dutilleul nous a obligés à présenter un exposé ensemble. J'ai croisé ton regard et quelque chose en moi s'est produit. C'est bizarre. Toi, tu semblais effondrée. Au fond de moi, j'étais le plus heureux. Fini les jours pluvieux. Tous les jeudis, on se retrouvait au CDI. La foudre m'a frappée. J'essaye de vaincre ma timidité en t'invitant à dîner. Tant pis si tu acceptes par pitié. Je ne vois plus que toi, mon éclair, mon rayon, l'unique amour de ma vie. Entends mon cœur qui tombe pour toi. Jimmy. Jimmy. Après notre premier baiser, tu t'es endormi sur les oreillers. Pourquoi n'es-tu pas plutôt allé m'acheter au moins une fois un bouquet? Notre dernier repas partagé, ce vin sans bouquet, ces crevettes épuisées méritaient d'atterrir sur ton portrait. Ton allure sans beauté, ton parfum sans attrait, ton langage fleuri à souhait, tu es un vrai déchet. Le bouquet, ton haleine alcoolisée, la serveur draguée, tes compliments dans les bousquets. Je t'offre ce bouquet, mufle, rave, bouc, c'est terminé. Kelly. Monsieur Flipper, nous avons eu un entretien préalable le 19 mars dans l'atelier de peinture de notre station au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. En dépit des explications que vous nous avez données, nous avons donc décidé de ne plus faire équipe avec vous. Les motifs de cette décision sont les suivants. Premier, vous ne vous êtes jamais vraiment attelé à la tâche de chef d'équipe dans l'atelier de peinture. Numéro 2, depuis votre nomination à la tête d'équipe de Fougatique, les appels se multiplient comme les défaites. Voilà des mains comme des pieds, vous n'êtes pas doué. En raison de votre comportement puéril, vous ne bénéficierez pas d'un préavis de 2 mois. Vous pouvez demander avant de partir à participer à un atelier de poterie pour une rapide réconversion. Nous vous prions de croire, monsieur, en l'expression de nos salutations d'Italie. Monsieur Durand, responsable des ressources humaines de Futurama.